Dis donc! Tranquille, toi! Bah quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens goûter à la maison? Non? T'as déjà goûté? Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Et bonjour! Enfin, le mois de juillet là. Donc, toujours plus. Ça va? Il est 8h30. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse, je vous promets. Mais. Arrête! Il y a 30 litres au 100 sur le compteur. 30 litres au 100, bah dis donc. Là, le mode sport, il était fou. Ah non, non. Ah bah, mode sport, c'est des bouchons de partout si tu veux rien faire de sport. Ah bah, t'as voulu déboucher le bouchon. Alors, non. Je vous explique. Non, je vois, donc, je me lève à 6h30. Je m'habille, etc. Je me fais un petit coup quand même. Je pars, j'arrive, il est 7h25 à l'hôpital de la Croix-Rousse. Hein, Croix-Rousse. Nous, on habite après l'aéroport, Croix-Rousse pour tous les Lyonnais. Voilà, Croix-Rousse à 7h30. Mon Dieu, non mais... Et encore, ça a bien roulé, je trouve. Bref, j'arrive, j'étais la première. Elle m'a dit, hein, elle m'a dit, j'ouvre à 7h30, c'est moi. Je l'ai recroisée ce matin. Bah, celle qui m'a enlevé la sonde. Hein. Elle me dit, ah oui, 7h30, c'est... Ah, je dis oui. Elle me dit, ça a été? Je dis oui, ça a été. Je lui ai juste dit, en fait, en décrochant ma ceinture, j'ai arraché. Le câble, il s'est désadapté. Voilà. Donc, je l'ai remis direct et voilà. Elle me dit, vous avez pu tout noter? Je dis oui, tout noter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Les fleurs? Elles sont magnifiques. Je vais vous montrer après. Donc, elle me retire la sonde en 2 minutes, top chrono, c'était fait. Je suis sortie 2 minutes après, hein, vraiment. J'ai même pas payé le ticket, vous savez, sur les parkings de l'hôpital, tellement c'est allé vite. Voilà, je pars et là, je mets le GPS. Ça m'annonce 1 heure de trajet. 1 heure. J'appelle Renaud, je dis, écoute, à mon avis, je serai pas à l'heure pour amener les filles à l'école. Les filles, qui est Cali, parce que Ariette est avec nous, c'est voilà. Et elle a passé une bonne nuit avec nous. Elle a choisi sa nuit pour pas être. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mon chat, c'est le cacao. Et donc ce matin, elle a essayé de manger, c'est pas passé. Donc j'ai dit, allez, je te garde, c'est bon, laisse tomber. Elle est avec nous là. Et je suis arrivée de la maison, il était 8h26. Même pas. 24 pour moi. Ah ouais? Ah bah tu vois, j'ai encore. Et j'ai pu emmener Cali à l'école et voilà. Et là, je vais boire mon thé, son truc dans le nez, etc. La nuit a été très compliquée pour moi et pour Aria. Elle a dormi au milieu de nous deux. Moi, j'avais la gêne parce que j'arrivais pas à me caler correctement. J'ai eu des remontées assis toute la nuit, mais c'est très bien. Au moins, ils me diront pas. Non, vous avez pas de remontées assis. Là, franchement, à chaque fois que j'avais, j'appuyais sur le bouton. J'ai dû appuyer une dizaine de fois. Hein. Et en plus, je prenais un Malox. Alors pas à chaque fois, mais je prenais un Malox. T'avais le droit de prendre des Malox. Bah heureusement, j'allais pas mourir. Ah, moi je me suis dit, si. Tu es obligé de t'arrêter. Non. Donc bref, donc voilà. Écoutez, on verra, j'aurai les résultats, le compte rendu d'ici une semaine et puis on verra bien. Et non mais, il est magnifique ce rhododendron, il est sublime. L'autre n'est pas encore en fleurs, mais je crois que l'année dernière c'était pareil. Il y en avait un avant et l'autre sortait les fleurs après, mais il est sublime. Magnifique. Est-ce que je m'occuperai pas de la pelouse aujourd'hui? Ce que j'ai pas pu faire hier, voilà, tellement j'étais fatiguée. Et ben il vient de rentrer le voisin. Bah tiens. sous-entendu. Bonjour voisin, est-ce que tu aurais de l'essence? Regardez-moi cette beauté. Elle est sublime. Magnifique. Magnifique. On a toutes les fleurs de fraisier qui sont en train de sortir. J'ai une salade à ramasser. Attendez, je vous ai mis le zoom. J'ai une salade à ramasser, donc je vais aller la ramasser. Et on en parle de ces fraisiers-là. Magnifique. Et ce temps, magnifique. Bon, et sinon, on va aller voir notre petite poupoule. Hop. Salut les poulettes. Punaise, mon rosier là-bas, pour une fois, vous l'avez pas bouffé. C'est bien les filles. Bravo, félicitations. Est-ce qu'il va réussir à pousser cette année? Hein? Ça, c'est la question. Il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf. Il y a la grève d'œuf? Pourtant, elles ont mangé. Hein. Il y en a 3 hier. 3 sur 5, ça va? Bah oui, il y a à manger. Bon,
je remets. Bien sûr. Ah non, elles ont tout là, tout va bien. Elles vont bien, les petites cocottes. Elles vont bien. Bon, ça y est, je suis prête, habillée, maquillée. Je vais vous montrer ma petite tenue. Très simple, j'ai mis une jupe verte, longue, avec un petit t-shirt noir, petite veste en jean. Et puis voilà, ça ira très très bien. Où ça, je me suis frottée là. Je vais juste mettre des boucles d'oreilles et surtout mettre ma crème pour les frottements. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis, puisque ben normalement tu ne mets pas trop de crème en hiver vu que tu as des collants et tout. Allez, celle-ci, Aquiléine, Noc, hop, vous en mettez à l'intérieur de la cuisse et ça va bien se passer, hein, parce que sinon ça frotte, c'est une horreur. Croyez-moi, ça fait mal. Hop, et puis pas besoin d'avoir des bonnes cuisses pour que ça frotte, hein. Il y en a qui ont des petites cuisses et ça frotte quand même, hein. Donc voilà, comme ça, ça frottera pas. Je mets une petite paire de boucles d'oreilles et on est parti. Est-ce que c'est bon? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des nouilles. T'es sûr? Comment tu m'as appelé ça tout à l'heure? Des chapeaux. Des chapeaux? Et tu m'as dit que si tu mettais de la sauce tomate dessus, il se passait quoi? Des chapeaux rouges. Non, tu m'as dit des chapeaux en... colère. Donc là, c'est spaghetti bolognaise, mais avec des nouilles. Voilà. Plein de nouilles. Alors, c'est bon? Non. Tu manges? Comment on mange? Tu montres? Comment on mange? On pique. Oh, mais... ouais. C'est bon? Tu manges bien, hein? Alors tu sais jamais, un coussin à droite, un coussin à gauche, toi. Bon, ben, puis moi, bon appétit. Bola! Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai fait mes petits ongles. Comment caractériser cette couleur? Je ne sais pas. C'est un rose beige pailleté. Bon, c'est beaucoup plus discret que ce que j'avais avant et c'est très très bien. J'avais envie de discrétion, voilà. Alors pour certains, ça va pas être discret parce qu'il y a de la paillette, etc. Mais moi, ça me va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Doudou s'est occupé des filles, j'ai ramené Calais à l'école. Ariane, on la garde avec nous puisque ça allait un petit peu mieux, hein, ce matin. Mais alors là, elle a rien mangé à midi. Elle a rien voulu manger du tout et là elle dort dans le canapé. Quand je suis arrivée, elle avait les joues toutes rouges et tout. Je la touche, elle est chaude et en fait j'ai pris la température, elle n'a pas de tempête. Donc bon, là elle dort, je vais la laisser dormir, hein, de toute façon. Il y a le seau pas très loin, donc à mon avis, on verra demain comment elle se sent. Mais si ça va pas mieux, je vais la garder avec moi, hein, bien entendu. J'espère juste que ça va pas passer sur les autres têtes. On verra bien. On verra. Donc les ongles, c'est fait. Je viens de poster ma petite story sur Instagram. Vous allez le voir passer, mais je suis en partenariat avec Arco Pharma. Je suis trop contente. Ils m'ont contacté il y a un bon mois. Il y a un bon mois à peu près, pour me proposer de tester donc la gamme Forcapil anti-chute. Alors moi, je connais les produits Arco Pharma Forcapil anti-chute. Je connais surtout les gélules et en fait là ils m'ont proposé de tester donc le shampoing, le spray et les gummies. Et je me suis dit go, en fait moi j'adore Forcapil. Franchement, je sais que ça fonctionne très très bien pour mes cheveux, donc je me suis dit go. Je teste depuis un petit moment maintenant les gummies. J'ai testé également le shampoing, le spray. Et écoutez, pour le moment je suis plutôt convaincue, donc on verra les résultats parce qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Mais voilà, la story est postée. Si vous regardez un petit peu Instagram, je pense que vous avez vu passer. Je vous en reparlerai en vidéo également ici. Et puis voilà, je suis vraiment trop trop contente. Alors ça a repoussé un petit peu avec tous les événements qu'il y a eu avec papa. Mais ça y est, c'est sorti aujourd'hui. Donc je suis trop contente. Voilà, sinon, là je vais faire le goûter. Pourquoi j'ai posé mon tablier ici, moi? Il fait super bon. Je vous jure, il fait trop trop bon. Il fait 23 degrés là. Alors vous voyez, ce matin c'était tout bleu. Là, ça est en train de se couvrir. Mais par contre, 24 degrés. Il fait trop bon. C'est trop agréable. Franchement, on va pas se plaindre. Vraiment pas. Donc voilà. Attendez, parce que là, je passe du coq à l'âne. C'est n'importe quoi. Oui, je vais faire le goûter. Je vais faire le goûter. Et puis, après, je vais me poser un petit peu. J'aimerais bien...
J'ai plusieurs choses à faire. Je dois répondre à des mails. J'ai encore des mails à traiter, donc je vais m'en occuper. Et j'aimerais bien me poser pour être au taquet ce soir en forme. Est-ce que je peux pas répondre aux mails ce soir au boulot quand je serai en pause et vous voyez posée. On va peut-être faire ça. Il faudrait que je dorme quand même. Il faut vraiment que je dorme. Tout à l'heure, alors je suis désolée, mais parce que en fait je parle sur ici et sur les stories, et des fois j'ai l'impression de faire doublon, donc si j'ai fait doublon je suis désolée, mais je vous ai pas dit d'où venait ma robe, et c'est Promode. Par contre, méfiez-vous, là j'ai pris une taille L. Voilà, ne surtaillez pas. Il n'y a pas besoin. Je pense que la M, ça aurait été nickel. Elle tient, hein. Bien entendu, la jupe ne tombe pas. Elle tient parce que c'est de l'élastique. Mais je pense que je vais peut-être découdre un petit peu sur le côté, là. Vous voyez, couper l'élastique et le réduire, en fait. Et je pense qu'elle tiendra un petit peu mieux. Même si elle tient, mais bon, il y a de la place, quoi. J'ai la place de mettre une petite cali sur le côté, une petite arrière. Bon, j'ai récupéré Calinette à l'école. J'ai récupéré des papiers puisqu'il y a des sorties la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai proposé d'accompagner. Donc, à mon avis, je vais accompagner. Ah bah, il y a le petit voisin. Dis donc, tranquille, toi. Bah quoi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens goûter à la maison? Non. Non? J'ai déjà goûté. T'as déjà goûté? Mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Moi, tu sais que je suis pas allée à l'école. Et rien qui se vend. Tu sais que je suis pas allée à l'école. Ouais, enfin, en début d'après-midi, t'es pas au top de ta forme quand même. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai récupéré Cali à l'école. J'ai récupéré pas encore, mais ils ont affiché les photos du carnaval. D'ailleurs, j'y pensais ce matin. C'est coïncidence. Et alors, attendez, non mais franchement, elle est sublime. Je vais vous montrer. Donc, ils ont fait des photos de classe tous déguisés et ils ont fait des photos individuelles. Je suis mais trop contente. Et la maîtresse, elle m'a dit, le photographe, il s'est éclaté parce qu'il a mis en situation les déguisements des enfants. Et franchement, donc pour rappel, Cali était déguisée en pom-pom girl. Mais j'adore. Je vais vous montrer, elle est trop trop belle. J'ai hâte de voir la photo de Aria en Stitch. Mais vraiment. Donc voilà ma petite Calinette en pom-pom girl. C'est canon. En plus, il faisait super beau ce jour-là. Donc c'est trop canon. J'arrive pas à faire la mise au point. Attendez. Je vais essayer de la faire, mais j'arrive pas à la faire. Comme je bouge. Bref, bon, vous l'aurez compris, elle est trop belle. Voilà. Et je vais prendre la photo, bien entendu, en format, je crois que c'est du A4. Hein. A4. Alors, c'est soit je la prends en format grand portrait A4, mais vous savez quoi? A4, elle va finir dans un tableau dans la montée d'escalier. Hein. Et Aria, ça va être pareil. Hein. Je vais leur trouver, je vais changer en fait. Vous voyez là, il y a des photos de nous, de Renaud et moi en mariée. Celle-là, elle va sauter. Celle-là, elle va pas sauter parce que je la kiffe avec la bulle devant le nez là. Mais il y en a une autre en haut qui va sauter et ça va être les filles. Hein. Je vous le dis, hein. Elles sont trop belles. C'est pas possible de, hein. Voilà, maman Gaga, maman Gaga. Il est 18h30, je viens de terminer de plier le linge, ça y est, on est ok, j'ai tout déplié, j'ai une machine mais ça pourra attendre demain je pense. Là je suis en cuisine, Doudou est en train de tondre dehors parce qu'il y avait bien besoin, je voulais le faire mais ici est mis, donc voilà. Au repas ce soir, je vais faire des pommes de terre avec des carottes que je vais faire cuire au cookéo et avec une petite sauce fromage blanc ciboulette avec du saumon. Voilà, j'avais du saumon au congèle, donc je l'ai sorti, je vais en faire des petits bouts morceaux et je vais faire mariner dans du soja. Ça c'est très très bon, donc je vais prendre ma bouteille de soja, je vais préparer tout ça et puis voilà, j'ai mis le tablier parce que avec ma jupe verte et tout, à coup sûr je vais me cacher et je n'ai pas envie. Par contre, il me reste 2 parures de drap à laver des vacances, donc je pense que je vais le faire maintenant. Voilà, comme ça au moins ça sera fait, les filles sont dehors en train de jouer et puis voilà, la journée va bientôt se terminer, hein, on va aller au boulot, hein, voilà. Les petits repas de ce soir, donc là nous avons les petits morceaux de saumon marinés dans le soja, ici petite sauce fromage blanc ciboulette que les filles adorent, et nous avons des petites pommes de terre grenaille avec des carottes, et voilà, et on va se régaler. Bon, il est 7h20, on a terminé de manger, on n'a pas mangé trop tard comme je pars au boulot et tout.
Je voulais passer un petit coup de balai sur la terrasse. Donc Doudou a tout tondu. Franchement, ça fait du bien. Je vais vous montrer. Ça fait du bien parce qu'elle était vraiment très très haute, la pelouse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des pétales, je croyais que c'était des... De loin, je voyais des minces, comment ça s'appelle, des limaces, mais blanches. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Regardez ça. Mais tout est, c'est tout en fleurs, là. C'est tout en train de sortir, les fleurs. Là, il y a deux jours, il n'y avait aucune feuille, il n'y avait rien du tout. C'est tout en train de sortir. Le figuier, il y a des figues de ouf déjà. Ça promet pour le septembre. Vous savez, hein, l'année dernière, j'en avais énormément. Alors, on a le temps, hein, bien entendu, mais ça promet. Et puis alors, j'arrête pas de vous en parler, mais alors mon rhododendron, il est sublime. Et j'en ai plusieurs, hein, dans le jardin. J'en ai un là. J'ai l'autre là-bas, mais il n'est pas encore fleuri. Et j'en ai un là, vers les poules. Voilà, mais franchement, il est magnifique. On doit s'occuper bientôt. Attendez, il fallait que je passe un coup de balai. Je vais le faire en même temps quand je vous parle. On va bientôt s'occuper de la petite marche qu'on veut faire avec les herbes aromatiques. Et on va vous en faire une vidéo sur la chaîne On est bien ici. Voilà, parce que c'est pas parce que notre projet immobilier est en pause, stand-by prolongé, que on va laisser de côté la chaîne. Pas du tout. On a plein de projets, travaux, etc. Donc on va tout partager sur cette... C'est très galère de balayer avec une seule main. On va tout partager sur cette chaîne. Voilà, donc le prochain projet, c'est de finir la terrasse. Enfin, finir le petit bout là, de terrasse qu'on veut finir. Parce que la terrasse, en soi, elle est terminée. Hein. Vous savez, la terrasse, on l'avait montée il y a 2 ans. J'étais enceinte de... Très enceinte de Romy. Et elle est terminée, mais il y a juste le petit bout là qu'on voudrait mettre là-bas pour mettre les plantes aromatiques. En fait, l'idée, c'est de... continuer la terrasse et faire les plantes aromatiques en hauteur pour qu'on puisse les récupérer assez facilement. Donc il faut qu'on s'en occupe. Voilà. Et ça va être prochainement. Et puis il y a la salle de bain aussi qu'on aimerait bien refaire. Donc notre salle de bain et la salle de bain des filles pour passer une double vasque dans la salle de bain des filles. Ça c'est vraiment nécessaire plus parce que bah, elles sont 3 et qu'un seul évier, quand tu te brosses les dents à 3, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, et puis ça sera... Franchement... Pardon, attendez, je coupe la musique. Franchement, quand t'as une double vasque, dans une maison où il y a 4 chambres, il faut bien ça. Nous, on a une double vasque dans notre salle de bain, et dans la salle de bain des filles, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, enfin, bon, allez, ça c'est fait. Hop, Doudou, il va rentrer les 2-3 trucs qui restent. Je crois qu'il veut finir un petit peu dehors. Petit pissou, je mets mes chaussures, je mets ma veste en jean parce que là, il fait bon. Mais demain matin, il va faire un petit peu frais. Et puis après, je vais pas trop tarder à y aller, hein, ça va être l'heure. Dernière nuit de la semaine et puis après, long week-end. Donc, de 4 jours. Plein, même voire presque 5, parce qu'en fait je termine le vendredi à 7h pour rattaquer mardi soir à 20h. Donc voilà, ça fait un bon week-end et c'est très très bien. Mais bon, je sais pas c'est quel temps il fait chez vous, mais alors chez nous il fait dégueulasse, hein, tout le week-end. Voilà, on a un long week-end et il fait dégueulasse, dégueu. Enfin, bref, bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Ah oui, et c'est ça que j'ai oublié de vous dire. On a peut-être... On attend des réponses, on a envoyé des mails, on a fait une demande de devis, etc. Mais on a peut-être trouvé un imprimeur pour faire le planning, le planning repas. Pardon. Le planning repas de la semaine. Donc ça, franchement, on aura une validation demain. Je vous en reparle demain. Je vous dis ça tout demain dans le vlog, si on a une validation, bien entendu. Mais voilà, c'est cool. En sachant que le volume 2, le réassort du volume 1 et également la liste de courses sortent samedi. Et si le planning repas est ok au niveau Véleda et magnétique, et ben il sortira également samedi parce que le visuel est fait. Voilà, je suis trop contente parce que franchement on en a fait plusieurs, hein, et il y en a, les tarifs c'est
Enfin, donc là, si c'est bon pour lui, franchement, ça serait trop, trop cool. Vraiment, parce que c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. Je veux le sortir. Ça va vous aider de ouf au niveau de l'organisation, de tout ça. Et même le visuel, on a tellement bossé avec Soso que franchement, ça m'embêterait qu'il sorte pas. Donc voilà, on fait le maximum pour que ça sorte. Voilà, allez, j'arrête de blablater. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain matin. Je vous souhaite une très, très bonne journée à vous, puisque vous allez regarder le vlog le matin, normalement. Une très bonne journée, un bon week-end rallongé. Hein. Et bon courage à tous ceux qui bossent, parce que je sais qu'il y en a qui bossent. Donc, bon courage à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.